Pona Martin Fayulu, parce que Martin Fayulu peut annoncer candidature na ye, bato boza au courant te. Martin Fayulu m'a dit, a outi ko annoncer candidature na ye ouvertement et a redéposé candidature na ye le 4 octobre, donc dans deux jours, Martin Fayulu va déposer sa candidature à l'élection présidentielle na CENI. Alobi ke Lamuka, bangonde va porter candidature na ye pour a kende ko déposer yango. Alors je prie le bon Dieu que candidature ya Mafa ezala reconnu ce qui bakondima yango boyebi ke Congo ezali mboka ya baventure. Alors ce qui bakondima candidature ya Martin Fayulu, je ne sais pas, nous attendons voir nini koleka ce qui ye ako zwa to bakondima Martin Fayulu na candidature wana ou pas. Parce que boyebi ke la RDC ezanga ba surprise. Bon, le kola ye azo fingane Félix Tshisekedi mikolo ya diminuer yango peut-être bako coincé makasi mingi te pour na balo bakeno o Martin Fayulu yo lobi mingi mabe ya Fachi Betomo kwa tombolo. Alors to jige ke candidature na yo peut-être eza la validité, I don't know, mais ce que je sais, Martin Fayulu reste toujours égal à lui-même. Et Martin Fayulu, Azali Moutoyo, Azali quand même, n'a pas idéologie. Il y a très bien, n'a qu'à dire RDC. Alors, je ne vois pas le pourquoi l'entourage de Félix Tshisekedi va empêcher que Martin Fayulu Madidi a se présenté na élection Oyo Ezali Koya. Je ne vois pas le pourquoi, mais vous savez, Ndenge na uchi kolbabino, ba Congo, ba surprise ezanga raté. Veuillons voir la suite des choses. Nous allons ici venir vous dire ce qui ba ko autoriser candidature na ye, peut-être aussi. Et makamboyo, ba tumisusu ya Martin Fayulu ba benginga, ba biono pasta, makambutu o lobi wana ezalu kuta, na ndenge ke oh Martin Fayulu, n'est-ce pas, azali ko négocier na kantimini na kubatama na Félix Tshisekedi. Na vi bon, mususu abi nanga ke tangu kaka na bandi koyoka na kataki mbala moko, parce que moi j'ai des informations. Oui, tu peux avoir des informations, mais tangu yo bandi koyoka mutu, tu n'as pas arrivé à la conclusion comment yo kati mutu, et puis tu peux dire que tu es dans les vrais. Faut yo ka mutu penser na eti na suka, comme ça tu vas faire préjugé na yo. Oloba, oh, mto makamba lobi, eza vrai to eza lukuta. Nous avons dit avec condition, nous avons dit que on sent les rumeurs, mais balobaka, mai e ningana rapambate, soki mai e komiko ningana, c'est que mouta bwaki libanga, c'est que mouta za konanje, soit imbisa leki, soit loko mou esami, ben mou pepeye bouje en haut. Donc mai e ningana rapambate. Donc voilà pourquoi nous avons dit, to confirma qu'il était à 100% que Fayulu négocie déjà avec Félix Tshisekedi. Mais ça peut être vrai aussi. Parce que tout ne peut pas toujours nier parce qu'il est Fayulu, il est Fayulu. Bon, ben, intention, tout besoin qu'on portait sur lui, ça fond. Non! Fayulu, c'est un individu. Ce qui tue la nation Congo, c'est les sentiments et des émotions. Vous connaissez qui est Joël? Moi, j'étais derrière Katumbi ici chaque jour. Mais je ne suis pas. Vous croyez que moi, si pour critiquer Katumbi, j'ai peur de critiquer Katumbi? Non! Non! Si j'ai besoin de parler de Katumbi, je vais cracher sur Katumbi, je n'ai pas peur. Oh! Il faut que vous soyez libre de penser, il y a un Congo, il y a un bon gâté. Pourtant, il y a un bata Félix. Il y a un Félix, il y a un Tekambo, 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 il y a réfléchir en termes de nation, il y a un Tekambo. Comment on peut bon tout bon samboka bango bazako réfléchir en termes ya Félix Tshisekedi, mais le pays ne va pas avancer. Bino pe bozako landa Fayulu. Fayulu c'est un bon monsieur, c'est un bon candidat, il a les atouts. A outi ko sa l'interview na Alex Labino ngo après Fayulu nenga lobby, mais Fayulu ne peut pas rentrer dans des ma vidéo na ye o na outi ko mona je suis populaire awa na kongona na lekinga na popularité bino batu misu ba yiba mbongo bakomi ko kabela bino mbongo ale bokomi ko meresan sala bangola. Ça ce sont des critiques inutiles qui n'ont même pas de sens. On n'a pas besoin de ce genre de débat, parce que à tout moment
Si tu rencontres Katumbi, tu rencontres Matata Pono, ensemble. Ce qui est leur position, comment tu peux descendre si bas? Il y a comme un critique sur cette équipe et position. Laisse le débat là. Tu veux être candidat. Nous, on t'avait dit, va déposer ta candidature. Yo, que vous saliez vidéo, oh non, tu n'as aucune élection ET. Bah, tu n'as yo, bah, siliki. Bah, oui, mais yo, il s'agit de biso, tu n'as pas salé, biso, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit. Léon, yo, mon score, ok, biso, tu n'as pas commenté ma députée, exacté. Non, bah, tu n'as pas bon côté, Fayoul a raison, non. Fayoul a raison. Ne conjuguez pas comme les talibans. Ce que nous reprochons aux talibans, c'est de dire que si Fachi dit oui, Bango Balobi, amen. Bino Pesso qui Fayoulou lobby, oui, Bino Pesso lobby, amen. Martin Fayoulou, je ne vous mens pas, ce n'est pas pour critiquer dans le sens mauvais. Il y a trop d'erreurs en politique. Il y a chemin à Martin Fayoulou. Je ne sais pas qui sont tout autour de lui en matière de communication, mais il y a trop de fautes, trop d'erreurs. L'entourage à Martin Fayoulou, même un encadrage, il y a trop d'erreurs. Après qu'il revient derrière et comme il sa position est faible, vous devez faire tout le mieux. Bino Bozali Banka, cadre ya SID, Martin Fayoulou, yo kabino trop. Mais encadrer Martin Fayoulou, pourquoi il prend des décisions, après il revient, il fait des trucs, après il change. Il part où? Il va où? Il cherche quoi? Il faut qu'il soit constant. Il est constant, mais Babylon comme soit ça, comme ça, la barrière, ils ont belé. On doit dire des vérités. On ne peut pas se cacher. Oh non, 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 non. Il y a des erreurs tout autour. Il y a Martin Fayoulou. Beaucoup de décisions, beaucoup de positions qui changent. Et faiblissent ça, leadership inaïe. Maintenant, quand on dit qu'il dialogue avec Vélis, qui connaît? Qui sait? Vous connaissez la classe politique du Congo? Vous tous, non, Fayoulou, Tikara, qui va tout, va qu'il n'y a pas à Félix. Mais la politique du Congo, c'est comme ça. Est-ce que nous avons dit que Katumbi est saint? Katumbi n'est pas saint. Moi, j'ai critiqué Katumbi ici, tant que nous n'avons pas Félix. Et je le critique encore jusqu'à aujourd'hui. Je critique Katumbi, pourquoi qu'il n'est pas Félix? Mais c'est la politique du Congo, qu'est-ce que vous allez faire? Ils sont comme ça, les politiciens congolais. Il faut qu'ils puissent négocier avec Félix. Félix. Ça va la politique congolaise. Bah comment mais tension au coup fupé au tiki bango. Rendez la politique congolaise. On met la tension au coup fupé au tiki bango. On vend du pénabo. Netingaï na vanda bo étant la Monica Tumbi à quelle union sacrée. Je me suis dit na vandi na réfléchir na tali na bi. Ah! Après tous les critiques que moi j'ai fait contre Félix. À faveur, il y a Katumbi. Après Katumbi, il y a quelle union sacrée? Alors, quelle est ma place là-bas? Donc, si moi je rentre à Kinshasa, Félix peut me dire, je vais le rendre à Kinshasa trop. Même si je suis pour Katumbi. Katumbi, il y a un peu de temps, 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 il y a un. Mais Katumbi est là, il fait la campagne électorale. Ça, c'est un politicien. Il faut leur dire des vérités. Il faut dire les vérités. J'ai dit à la diaspora, comment on dit, décomplexez-vous devant les politiciens congolais. Si vous voulez sauver la nation, décomplexez-vous. S'il est dans la vraie, dans la vérité, on le soutient. S'il dérape, on vient, on dit la vérité. Oh, bon, toi qui as un à la. Oh, Non, nous, on n'est pas des partisans. Jean-Pierre Bemba Gombo. Avant nous avoir plein de Félix Tshisekedi dans ce pays, Awa. Jean-Pierre Bemba Gombo, mes frères. Jean-Pierre Bemba Gombo. Bande konangai, peuple congolais, tout vendi boye. Wana boza komona Jean-Pierre Bemba na congrès na ye ya MLC. Pona kolakisa ke congrès oyo. Ezalaki ya Fatou Béton, mbonge bimi na présidence. Botala banani bayaki na kati ya congrès wana ya MLC. Vous voyez le premier ministre Sama Lukonde, vous voyez Augustin Kabuya, vous voyez le représentant de Vital Kamerhe, vous voyez Mboso Nkodia na kati wana, vous voyez Bahati Lukwebo na kati ya congrès wana. Qui veut dire ezalaki nango congrès te, mais ezalaki réunion ya union sacrée.
oye salama ki na MLC. E salaki congrès ya MLC te, me salaki réunion ya union sacrée. Babi misimbongo na kesa l'état, ba salisi réunion na bangwa union sacrée, pour que Jean-Pierre Bemba puisse dire, je soutiens la candidature de Félix Tshisekedi. Écoutez, Jean-Pierre Bemba Gombo, ndenge azakoloba, ye moko na vidéo awa, et puis, tozonga na bino awa, peuple congolais. Boyoka Jean-Pierre Bemba ndenga za koloba awa et puis on rentre et on parle de cela. Attendez, nazon qui savons les bandes. Dans les saintes écritures, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Le MLC réaffirme son appartenance à l'Union sacrée de la nation. Privilégié de la volonté du chef de l'État de transformer profondément notre société pour mener notre pays vers le développement, d'assurer sa sécurité et d'imposer la paix à l'intérieur de nos frontières. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas me présenter ma candidature. Pour soutenir notre frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, peuple congolais, je crois, Bouti Koyoka, Jean-Pierre Bemba Ngombo, Yewana Zakoloba, Boyoki Malobanae, très bien. Bolandi Ango bien que lui, il soutient la candidature de Félix Tshisekedi pour un deuxième mandat. Vous avez vu les images que je vous ai montrées au début. Vous avez vu ce que je vous ai dit, qu'on vous montrer comme le chaos où ils allaient dessiner la moto en Mboka. Mais voici Jean-Pierre Bemba Ngombo, un grand-fils du pays. Bon, que les gens croyaient peut-être après la prison de la CPI, à voyez qu'on a un modèle, à voyez qu'on a un changement, à voyez qu'on a une différence dans le Kambo, où ils ont ça, n'a pas de politique à Congo. Mais regardez la déception que Jean-Pierre Bemba offre aux Congolais. Ça, c'est une déception totale. À mes frères et sœurs de l'Équateur, ils étaient là nombreux, si nombreux, pour écouter Jean-Pierre Bemba. Voilà ce que je vous ai dit ici à propos de Martin Fayulu et de Katumbi et les autres là. Quand vous êtes, c'est-à-dire au Congo jusqu'aujourd'hui, malgré que tout ça qu'on criait que Nzambe Sunga Biso, tout s'en sortir, la situation Tumbo Kanabiso ça qu'on traversait, mais le grand problème que nous traversons au Congo, c'est le problème, il y a tribalisme. Ça, c'est un grand, grand problème. Qu'on ne se voile pas la face. On a un problème très sérieux. Ça dit que je suis Mukongo. Ma priorité numéro un, c'est de soutenir un Mukongo. Je suis un Katangé. Ma priorité numéro un, c'est de soutenir un Katangé. Je suis un Mungala. Ma priorité numéro un, c'est de soutenir un Mungala. Je suis un Mulumba. Ma priorité numéro un, c'est de soutenir un Mulumba. C'est-à-dire, nous n'avons pas encore dépassé Kaju Oyo, Yakutalaka, province Nganauta. Non, on n'a pas besoin de regarder même
si ce monsieur qu'on soutient a réellement un projet et a réellement la vision pour l'avenir du pays. Non. Nous regardons des intérêts personnels, individuels, familiaux. Ce que Jean-Pierre Bemba Gomba Outu Koloba Awa, à quoi cela bénéficie l'Équateur? Rien du tout. Rien du tout. Depuis que Félix est président, il est parti promettre l'Équateur à Zotongé la Bango Université et qu'on est quand même à l'université à Poto. Bon, on a dit que même Pierre Yango, Bissika Université, est commis à Tamir à Pamba, ou est-elle mis à Pamba, ou Université Zotongé en Équateur. Il a dit qu'il va électrifier l'Équateur. Est-ce qu'il y a l'électricité aujourd'hui à l'Équateur? Non, même kutu ma bateau ya pamba ma boîte ya pamba oyo ekitaka Équateur mbandaka et atina Kinshasa, c'est tout un problème. Mais regardez Jean-Pierre Bemba, lui, il ne connaît pas la souffrance. Bemba ne connaît pas la souffrance, il ne connaît pas la misère. Il a grandi dans la bourgeoisie. Son père boyebi histoire ya papa naï. Il a grandi dans la bourgeoisie. Avant na même mingi na Congo te Bemba avant na mingi na Porto akoli mingi na Portugal. Voilà le pourquoi il a la nationalité portugaise. Bemba, Ndebozomona. Il a la nationalité portugaise. Ndenga Zara Kawana, le losoke Indi, a kosongane na Portugal, azana passeport wana. Bemba. Boyebi. Bemba a souffrirte, a monipacite. Bemba a ye consentir. Ba privilège tout. A bazala ki nango, tango papa na yazala ki vivant. Et si la ki tango, Mouze Kabila Koti parce que abotola ki babiloko wana nyoso. Sentant que babiloko na bango tout ezako kende, qu'est-ce que Bemba pouvait faire si ce n'est yako kende ko négocier. Maintenant comme il connaissait la direction du Rwanda, il connaissait la direction de l'Ouganda, c'est là où Bemba est parti chercher des liens, des alliances pour nakoya ko déstabiliser Congo. Rappelez-vous bien, dans la vidéo où tu connais, tant que MLC et Koti Congo, le territoire Nini, MLC et Bembe Bandek occupé, ils étaient dans une partie à Nord Kivu, ils étaient pleinement à Nituri, ils étaient à Kisangani, et puis na Équateur. C'est là où le MLC a basé ses troupes. Pendant ce temps, MLC a basé qui va tout prendre à côté Wana, l'Ouganda avait profité. Jusqu'à ce que l'Ouganda baiki ko sala guerre de 6 jours na Kisangani o baboma batu batuta bana na maboka na Kisangani na guerre à 6 jours il y a toujours des cimetières qui existent oyo Félix Tshisekedi aza ko annuler que plutôt que l'Ouganda puisse récompenser les 10 milliards au justice internationale et senga qui est afuta ba dommage intérêt ya makamba sala na kata Congo. Le MLC de Bemba qui était soutenu avec l'Ouganda, par l'Ouganda, ils ont pillé. Ils ont pillé jusqu'à ce que Baboma, le MLC de Bemba, ba participa na ba massacre ya ba congolais na Katia province wana. Aujourd'hui, si les conditions ya Congo ezali renu, mutuloko la Jean-Pierre Bemba akoleka devant la barre, il sera jugé. On va les juger parce qu'ils ont commis tellement de trucs dans ce pays. À tel point, on ne sait pas comment mesurer un mot. Ce sont des gens qui ont du sang des Congolais dans leurs mains. Ils vont vous dire, Bemba n'était pas là. Non, mais celui qui était le chef, celui qui commandait, celui qui orientait. Donc il doit aussi, il a aussi sa part de responsabilité. Bakanga qui est dans ce pays, lui il n'était pas dans Centrafrique, mais bah, tout le monde est dans Centrafrique. Mais tant que Bakanga est dans ce pays, pourquoi Bakanga? Parce que c'est lui le commandant. C'est lui le chef. Donc, Batouana Basali, ba crime grave na Congo. Et puis, Bemba, à part ba crime wana, il est rentré maintenant dans la politique. A Komina Kinshasa, Basali, 1 plus 4, na Joseph Kabila. On lui donne l'économie. Il est parmi les gens qui ont trahi le Congo dans San City, Jean-Pierre Bemba. Il est parmi les gens qui ont trahi la RDC dans San City. Au moment où il y a tout le monde qui s'opposait sur, n'est-ce pas, la candidature de Joseph Kabila, Jean-Pierre Bemba, pour dire, parce que tout le monde disait que Kabila azali rwandais, mais Jean-Pierre Bemba Ngombo, peuple congolais, a accepté moyennant un dul de signer l'accord
avec Joseph Kabila pour que Kabila soit candidat, pour que Kabila reste au Congo, babanda transition. Il a signé à cause de l'argent. C'est lui, Bemba, le premier. Il a trahi tous les partis parce que tout le monde était opposé que Kabila a demeuré président au Congo. Vu son âge, vu la nationalité qui posait problème. Mais qui a fait tout? Jean-Pierre Bemba Ngombo, Nassan City, allait lire le document de l'accord de Sand City. Tout le monde était sorti dans la salle. Kabila est parti vite avec Vital Kamerhe, Bakeko Lukashenko et Bemba. Ba négocier inaye. Bemba a signé l'accord. Félix Kabila comme président à Congo et Kabila a été postulé 2001-2006. Le MLC était dans le gouvernement. Il y a eu des manifestations. Bemba était sorti pour dire oh non, surtout à vos bimos à la marche. Tala moi si na yo, tala banana yo. Parce que ce robimi, okozonga namdako na yote. C'est Jean-Pierre Bemba Ngombo. Et tant que ministre de l'économie, qu'est-ce que Bemba avait ramené en 2006 pour Oyo et stabiliser qui même l'économie à Congo? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. C'est qui ministre, il y a budget, ce qui est budget, ce qui est économie, ce qui est ni tout ça. Rien du tout. Ce qui nini, ce qui finance, nous soir. Rien du tout. C'est lui qui s'occupait de tout dans le pays, Bemba. Finance, nous sommes tous en bon cas. Kabila, tiquez-la qui est. Les sorties de l'argent, c'était Bemba. Il a volé. Jusqu'à Tokom en 2006, Basali mascara d'élection, Kabila a gagné, Bemba Sali Momoboulou, Batindi et ses pays. Mais on croyait que Bemba a quitté ses pays, le MLC va rester à l'opposition. Non! Il y a eu encore dialogue. Le MLC de Bemba a rejoint de l'issue au gouvernement. Il y a Joseph Kabila. Tout le temps que Kabila est resté président au Congo, 18 ans, le MLC est Azalaki, partisan, membre, il y a MPR, MP, majorité présidentielle, il y a Kabila. Il a participé dans tous les gouvernements de Joseph Kabila. Naba dissident naye, naye moko batunaye, bande ya kopé sa ibambongo. Il n'a jamais fait l'opposition. Bemba n'a jamais été opposant du Congo. Jamais Bemba n'a été opposant du Congo. Ce sont des gens, Oyo, ils s'enrichissent derrière la souffrance et le malheur de la population congolaise. Bravo à Jean-Pierre Bemba d'aller soutenir la candidature de Félix Tshisekedi. Malgré tout ce que nous dénonçons ici, malgré tout ce que nous crions ici, malgré tout ce que nous montrons ici, peuple congolais, en termes de Kolak Sabino, que rien ne marche dans le pays, rien ne va dans ce pays. Mais Jean-Pierre Bemba Gombo a choisi d'aller soutenir Félix Tshisekedi pour un deuxième mandat. Voilà le pourquoi nous disons toujours à tout le monde, aux gens qui veulent aller dans ces élections, est-ce que vous avez réfléchi pour aller dans ces élections? Est-ce que vous réfléchissez pour la boucle d'une élection? Sinon, tu es belé, tu es en 2006, tu es en 2011 et tu es en 2018. Vous allez acquiser Kabila. Mais Kabila vous a laissé Félix Tshisekedi. Kabila écoute avant il est calme. Abina a participé dans l'aïté. Bataba Kabila va vite au contacté pour chef na biso vite au contacté élection. Kabila vandi. Regardez vos opposants. Regardez vos frères que vous dites que ce sont vos frères. Ils voient que la situation du pays est mal partie. Ça part mal. On risque de perdre. Vous voyez ce que bazo salabino. Banani balingi Congo na banani balingi Congo té. Réfléchissez. Les Bemba ici, n'a ébité. Il y a une plainte. N'a raison de l'angoisse longue et à large parce que ça texte à Moulaï. N'a raison de l'angoisse longue et à large d'ici peu de temps. Mais dans l'ingina, tant à quelques points, mais n'a raison de la bino yango, tant on a oulak sabino pe babilo kamoukwe et tout ça à développement. Et puis, t'a raison de l'angoisse mandam. Alors, écoutez, Allemagne, le 27 septembre 2023, à la Cour pénale internationale. Voilà, bâti adresse, n'a pas besoin d'adresse, bâti pena email nango. Plainte contre monsieur Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du, président de la République dite démocratique du Congo, pour crime contre l'humanité sur base de l'article 6C, massacre de 163 civils sans armes à Goma en date du 30 août 2023. Une plainte de la diaspora congolaise déposée à la CPI contre Félix Tshisekedi. Monsieur le procureur, nous, un groupe de patriotes congolais vivant en Allemagne,
après concertation, débat et délibération, ont décidé en ce jour du 27 septembre 2023 de porter plainte contre M. Félix Tshisekedi, président de la République dite démocratique du Congo, pour crime contre l'humanité suite au massacre tiré carnage de 163 civils sans armes commis par ces derniers, ce dernier en date du 30 août dernier à Goma. C'est pourquoi d'ailleurs, nous vous demandons de bien vouloir enregistrer notre présente plainte et d'engager une enquête digne de ce nom afin de lancer un mandat d'arrêt international contre M. Félix Tshisekedi et ses complices, dont le récidiviste de M. Jean-Pierre Bemba Gombo. Mouyibi, Ndoki, Bemba, wana, bosa, komona, wana. Ako, tamba, Bemba, démon, alingarambo, kawanate. Ils s'enrichissent derrière le dos des Congolais et derrière nos frères de l'Équateur parce que tribalisme, qui est l'Équateur, les alliés. On ne doit pas les cacher. Les alliés. Pour Bemba, on a beaucoup l'andaye. Azata na izini, mon côté. Malgré que le papa na yatika, Bemba, azata na izini na nini te. Kara ya foot, ma foot ambila, fongo le lobby lobby. Ma watroa. Récidiviste de M. Jean-Pierre Bemba, en sa qualité du ministre de la Justice, et de M. Peter Kazadi, le ministre de l'Intérieur, pour que tous ces criminels soient transférés à la CPI pour ainsi répondre à leurs actes criminels, et cela selon l'article 27, alinéa 1-2 du statut de Rome. Nous appuyons sur l'article 30-3 et qui stipule ceci. Sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime est commis avec l'intention et connaissance. Vu que la responsabilité pénale de M. Félix Tshisekedi est établie car il est la seule personne qui donne l'ordre à ses gardes républicains d'agir, étant donné que ses unités de FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, dépendent directement de la présidence de la République, et cela selon la loi en vigueur en RDC, l'ordre donné aux gardes républicains de fusiller 163 civils non armé ne peut que venir de M. Félix Tshisekedi lui-même en sa qualité de président de la République. Cela étant dû, M. Tshisekedi a agi avec intention et connaissance et c'est pourquoi nous portons plainte contre ces derniers pour les accusations ci-après. En juin 2023, M. Félix Tshisekedi a fait une tournée dans le Grand Kasaï. Arrivé à Mbujimayi, Monsieur Tshisekedi, Félix Tshisekedi, a déclaré en date du 24 juin 2023 ce qui suit. Nous citons, je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations en tout genre. Je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais, peu importe ce qu'on dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ce domaine. Cette déclaration faite par M. Félix Tshisekedi est avec le recul que nous avons aujourd'hui en matière des droits de l'homme et la liberté d'expression en RDC, fait froid dans le dos. Après sa déclaration du 24 juin 2023 à Mbujimayi, M. Félix Tshisekedi est passé à l'acte en violant systématiquement les droits de l'homme. Salomon Kalonda du Parti politique Ensemble et conseil spécial de Moïse Katumbi en fait les frais. Il est en prison depuis le 30 mai 2023 jusqu'à ce jour. Visiblement, Chériban Okende, qui était le porte-parole d'Ensemble de Moïse Katumbi et député national, en a aussi fait les frais. Il a été froidement assassiné en date du 13 juillet 2023. Voilà. Il a été assassiné, voilà, le 13 juillet 2023 par l'escaladon de la mort de M. Félix Tshisekedi. L'ex-secrétaire général de l'UDPS, à la personne de Jean-Marc Kabound, vient d'être condamné à 7 ans de prison ferme pour outrage au chef de l'État et propagation de faux bruits par la Cour de cassation le 13 septembre 2023. Les journalistes Actualité.cd, RET et Jeune Afrique ont été arrêtés du 8 septembre 2023 pour faux bruits et transmission de messages et données contraires à la loi. Voilà, ma plainte au tout, déposée contre M. Félix Tshisekedi,
Peut-être je vais revenir sur ça encore à longue et à large, pour partager en haut, ensemble ici, plainte. Y a-t-il un bon ACPI? Bravo. Bravo, bravo à la diaspora de l'Allemagne. Bravo. Bande Gouranga France, bonjour Zélanie. Bisous à tous les côtés de la Maison Blanche. Tous les côtés de la Nations Unies, tous les côtés de la Maison Blanche. Bande Gouranga à Canada, bonjour Zélanie. Bande Gouranga à Grande-Bretagne, bonjour Zélanie. Bande Gouranga à Yaba Luxembourg, Yaba Bruxelles, bonjour Zélanie. Bavoka Bazali, bonjour Zélanie. Plainte, et à l'ébélé, tous les côtés de la Pona, Félix Tshisekedi. Bravo. Na bande Gouranga Allemagne, na plainte, tous les côtés ici. Pour nous déposer contre Félix Tshisekedi. Merci beaucoup pour cet acte patriotique. Et je, ce qui Bolandi Oyo, Mutoyo, Bolingi, Aleka, Nemichon Nangai, Ponato Lobelango, en tout cas, ils ont la Ranango et Félé, ou ils ont les médias patriotiques, Bosalangai Sin, Toyo Kanajour, Bolobelango, Awana Media, pour que les Congolais tout bas à la saisie. Merci beaucoup, Bande Gonanga, Bosuita, Rolanda Bisso, Nakozonga, na débat à. Il y a docteur Mukwege discours à Martin Fayulu et puis bah donner monsieur Tozanango awa et puis na oya CPI à longue et à large tout partager ma casse. En tout cas to couter na bino du super de temps merci beaucoup et ciao. Aimez et partagez la vidéo. Merci beaucoup peuple congolais. Oh attendez. Voilà. What is that? Intro. Voilà. Voilà. Voilà.